Allez. Je passe partout, mais... Forme olympique aujourd'hui. Incroyable. Ça va? Oui. Bienvenue à vous. Très heureux de vous avoir avec nous sur le fort. Et très touché surtout que vous ayez fait autant de kilomètres pour venir nous voir. Vraiment, pour vous remercier d'ailleurs, on vous a préparé, vous allez voir, un petit programme. Force en repos. Chaise longue, non ? C'est pas totalement ça, non. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Mais parlons plutôt d'abord de ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire l'association que vous représentez. Qui veut prendre la parole pour nous en dire un peu plus ? C'est Valérie. Oui, Valérie. Je vais dire deux mots. Donc nous jouons aujourd'hui pour l'association Partage. Voilà, qui est une association qui intervient dans une vingtaine de pays dans le monde auprès des enfants. Oui. Voilà, sous forme de parrainage, en fait. Et cette association intervient au niveau de la santé, de l'éducation. Et pour la protection des droits des enfants. Exactement. Si. Dans plusieurs domaines. Et c'est une association qui existe depuis 35 ans, en fait, qui a été créée juste après la guerre du Vietnam pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre et qui aujourd'hui donc, opère dans plusieurs pays. Et voilà, et cette année, en septembre, Partage fêtera ses 35 ans. J'ajouterai un petit mot, c'est sur la base du bénévolat. Ouais. Ils sont 500 bénévoles en France, je crois, à travailler. Mmh. Et ils ont des milliers de parrains, mais ils en ont encore besoin, bien sûr. Parfait. Bon, plus que jamais, important que vous réussissiez l'aventure qui vous est proposée. Et quand je parle d'aventure, le gong résonnant. Vous n'avez maintenant plus que 45 minutes, et un peu moins d'ailleurs, pour récupérer au maximum cette clé, vous le savez. Bonne chance à vous tous. Audrey, puisque tu parlais si joliment de cette association, approche-toi donc de moi. Pourquoi moi ? Mais parce que toi. Mais parce que toi, c'est toi. Parce que toi, c'est la rareté même. C'est une femme qui... par le fait de ta position au journal télévisé, nous présente souvent de mauvaises nouvelles. Mais bon, ce n'est pas de ta faute, bien sûr. On compte beaucoup sur toi aujourd'hui pour nous donner une bonne nouvelle en sortant d'ici. C'est-à-dire que tu aurais eu la clé, par exemple. Ce serait pas mal. Ça bonne chance. Attention, Audrey. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Approchez-vous de la porte, vous allez lui donner trois indications. Est-ce qu'elle a repéré la clé ? Oui, la clé. À droite devant, à l'autre bout de la cellule. Alors, regardez bien, il y a une barre avec des seaux remplis de grains. Il va falloir qu'elle passe par-dessus les fils et qu'elle aille faire contrepoids avec les grains dans la balance. Attention, ça va s'en mêler. Bien les jambes. Voilà, elle lève un petit peu les bras éventuellement pour ne pas s'en mêler. Elle peut même parler un peu à dehors. Hein. Qu'elle ne soit pas toute seule. De chaque côté, fais gaffe. Allez. Qu'elle ne marche pas sur les fils, hein, mais bien entre les fils, sinon elle risque le pied tendu, de s'en mêler. Passe au travers. La pointe du pied vers le sol. On surveille le temps. Ouais, c'est bien. Tannerie, prends devant, prends devant. Là, pour l'instant, elle prend ses mains. Ouais. Une fois qu'elle les aura prises, il va falloir un peu de temps. Ah, pitié. Attention, on va pas mêler les pieds. Faut livrer le gras. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, Audrey. Vas-y. Oui. Elle est dans la rizière. Bon, on a encore du temps, mais... N'accroche pas les seaux. Il va falloir faire des allers-retours. Bon. Ah oui, lève ton bras droit. Elle est la moitié. Donc, une fois qu'elle est au bout, elle vide les seaux. C'est plus dans la balance qui se trouve à l'autre bout pour récupérer la clé. Je préfère faire un jour la pointe du pied vers le bas. Elle fait des tout petits pas. C'est bien. Il faut perdre un peu de temps. Attention, le dernier saut. Alors attention, pas renverser. Il va tout doucement. Voilà. Alors là, il faut trouver la bonne méthode pour verser les sauts de grains. Quelle qu'elle soulève, elle y arrivera mieux. Regardez le temps. Va plus vite, on a plus de temps. Voilà, le deuxième saut. Essaye de faire vite pour le deuxième. Va plus vite, Audrey. À la moitié du temps. Vraiment qu'elle soit là. Dépêche-toi, à la moitié du temps. Allez, allez, allez. De présenter un journal. Hein. C'est vrai. Mais c'est quoi le plus compliqué ? C'est de passer entre les fils ou c'est de soulever les fils ? Oui, parce que les fils se croisent, et les seaux aussi. Enfin, les seaux tombent dans les fils. Le temps boule. Quand vous la sortez en un seul aller-retour. Super bien. Bon, donc c'est une première clé.
On y va, on file à la prochaine épreuve, on se teste après. Allez, bon, hein. Oh. Allez, je peux rentrer maintenant. Non, pas tout de suite.